Bon, et bien voilà, l'ultimate défi est terminé. Et j'ai terminé 2 minutes avant l'heure, mais je vais devoir installer la fixation arrière que je n'ai pas encore. Ou alors je vais faire des trous avec la fraise hantée. Je pense que ça va finir comme ça. En tout cas, je suis plutôt satisfait. Bon, après, ça reste très simple. Hein. Deux montants, deux traverses, une rainure de 10 par 12. Je vous mettrai toutes les photos à la fin. Et honnêtement, c'est plutôt pas mal. Je vous mettrai la photo du miroir installé, puisqu'il va aller dans la maison sur mon profil Instagram aussi. Ça va vite venir, ça. Et puis, voilà. Bon, l'ultimate défi est terminé. 3 heures, moins 2 minutes, même s'il me reste les accroches à mettre. Je vais sûrement les faire avec la fraise à rainure hantée ou je me tâte à acheter 2 accroches un peu spécifiques pour essayer. On verra. J'ai mes 3 matières, le miroir, enfin le verre du miroir, l'acier avec les montants intermédiaires et le bois avec les montants traverse. En frêne. Pour moi, tout y est. Le temps imparti a été respecté, même s'il me reste en 2 minutes, ça va être juste quand même. C'est possible, mais ça va être, sachant que j'aurais pu avoir largement fini avant l'heure si je n'avais pas été aussi cassé. Je trouve ça plutôt original. L'idée était quand même de réaliser un miroir sur le style industriel. Bon, après, c'est pas ce que je voulais faire, mais je voulais pousser la chose plus loin. Mais en 3 heures, j'étais beaucoup trop optimiste. À la base, je voulais sculpter le cadre avec pas mal de vagues. J'en avais déjà fait un miroir comme ça. Eh bien, c'est pas grave, ce sera pour un autre. Ou alors, peut-être que je prendrai le temps plus tard de le faire. Il est fonctionnel, décoratif, donc c'est pour moi réussi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Vous avez pu remarquer la petite astuce d'avoir réalisé mes feuillures pour l'encadrement du miroir avec la scie circulaire. Comme ça, les baguettes qui me sont sorties, en fait, qui sont restées après avoir usiné cette feuillure, c'est ces baguettes-là qui m'ont servi à faire les parts closes derrière pour maintenir le miroir. C'est une astuce que j'avais déjà utilisée et je trouve ça extrêmement intéressant puisque c'est vrai que ça fait gagner du temps et ça évite de chercher un autre moyen pour pouvoir caler le miroir. Je pense que je vais quand même faire en suivant les trous avec la fraise à rainure hantée pour pouvoir l'accrocher au mur et puis ça ira très bien. N'oubliez pas d'aller cliquer sur le hashtag Ultimate Défi 2 ou de regarder dans la description, vous trouverez le lien de toutes les chaînes de tous les participants. Vous pouvez aller voir, les vidéos vont sortir entre lundi et dimanche, donc entre le 1er et le 7 avril. N'oubliez pas de commenter, liker, partager et je vous dis à vendredi pour une prochaine vidéo. Salut !